J'ai une vidéo. C'est une vidéo, c'est une vidéo. Qu'est-ce que c'est, du film ou tu veux la photo? C'est une vidéo. Tu m'en dis pour un imbécile. Comme ça, là. Ah, maman, ça va pas, là. Ah oui, non. Un extraterrestre. On dirait ma cousine. Incroyable. On dirait Freddy. Freddy, elle peut pas me voir. Viens voir, si, viens voir. Viens voir, regarde, on se ressemble comme ça. Mets-toi là. Regarde Freddy. Mon Dieu. Regarde. T'as vu? Avec les yeux. Oh, mais toi, c'est toi, tu es blonde aux yeux bleus. Sérieux? Regarde. Ma mère ne boit pas d'alcool, elle sait pas, c'est rien. Tiens, vas-y. C'est Marie Brizard. Anisette. Rien que je sens, déjà je suis embêtée. Allez. C'est drôle. Donne, donne. C'est bon, ça se passe bien, ça. Ah bah après, le verre, il y a la... Comment ça s'appelle? Allez, moi j'aime bien celui-là. Non, un alcool... Pourquoi t'as fait ça? Elle a pas les papiers, hein, pour l'alcool. Pas ça. Je sais pas comment je dois le prendre. Ma mère m'a offert un livre au titre. Et ouais, mais non, maman, parce que si on n'est pas compte des minutes, c'est écrit à l'envers. En fait, marqué, cela n'a pas commencé avec toi. Comment le trauma familial façonne nos identités et comment surtout s'en sortir. Tu viens de faire passer un message? Mais grave erreur, tu m'as offert un livre, je suis dedans là. T'as pas offert l'adoption. Voilà, quand ta meilleure amie, ben, c'est un gros bébé. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des cadeaux d'enfants. De bébés. Les nouveaux futurs, futurs stars de Snap. Ah oui, parce que vous savez que... Là, ça va. Non, non, on a fait un effort, là. Notre rupture. On partait dans un bon mood, quand même. Hein. On faisait des boomerangs débiles dans le garage. On rigolait de ouf, pipi dessus. Je laisse le son là ou pas? Non, vite. Elle se régale, elle se régale. Elle affiche. Bref. Vous allez encore me dire, putain, mais Jou, tu dors jamais? Non, je dors pas. Non. Et en plus, avec Emily, on était... La tête. Et encore, il y a du maquillage. Hein. Bref. Avec Emily, on était plein de sondages. Mais je sais pas si c'est très cohérent avec le soir de Noël, quoi. J'en envoie un ou deux ou pas, quand même. Bon, je vais vous faire des petits sondages love parce que. On est en plein débat. Tu connais les discussions, meilleur ami, quasi 5 heures du matin, genre. Avec un repas de Noël demain à midi. C'est vrai. On kiffe, on kiffe. Moi, je vous fais partager ça, comme ça au pire demain. Si votre repas il est ennuyant, bah, vous répondez. C'est pas possible. Mais fais le flash, on dirait on va raconter des histoires de peur. Mets-le au-dessus, pas en dessous. Non, non, faut le mettre. Elle comprend pas, elle met le flash en dessous. Vous êtes prêts? Non. C'est moi? Oui. Oh. Oh. Mais ouais, c'est toi, frère. Non. Non, je n'ai pas. Bon. Reviens là. Reviens là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une baille. Mets le pull. Ouais, je vais le mettre. Bon, vas-y, éloigne-toi, que je te filme. Attends, attends. J'en peux plus. Tu vas m'embrailler au moins minimum déjà que ça va pas. Putain, elle me dit, eh ouais, comment tu veux que je trouve un homme comme ça? Eh ouais. Tu m'aides pas? Attends, non, je voulais prendre même ma canette de liptonique et tout dans le... Mets la capuche. Mets la capuche. Ah, tu vas se pointer un peu me respecter en fait. Mets la capuche. Y'a pas un délire? Je bois un thé, je bois un café, frère.
Est-ce que je suis pas vendeuse pour vendre des trucs si tu veux? Faire une photo Instagramable comme ceci. C'est un sketch. C'est 5h du matin, monsieur. Vous savez ce qu'il va y avoir bientôt. Je vais vous mettre son Instagram. Ok. Dites en commentaire. On veut la photo. Oui. Stitch. Même si la veulent pas, je la mettrai quand même. C'est pas grave. J'ai pas de problème. Toi, t'es une forceuse, genre. Ouais. Donc là, vous voyez tous les petits résidus. Là, c'est donc le peeling gel sans grain qui fait son effet. Et vous allez avoir les peaux mortes qui vont partir. Et c'est idéal pour les peaux sensibles. Parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas de grain en fait. Voilà. Et vous frottez de manière circulaire. Comme ça. Et pour que je le fasse sur la petite joue de peau de bébé de ma sœur, c'est que vraiment aucun risque pour les peaux sensibles. Seconde étape, pour le savon masqué des chèvres, j'ai bien humidifié le tout petit bout de savon. Je vais comme ça le frotter sur la joue. Et regardez, il débarque un petit masque blanc, ultra onctueux, ultra fin, moussant. Vous allez vous l'appliquer comme ça, tel masque, bien massé. Et vous le laissez poser à peu près 10 minutes, 15 minutes, le temps qu'il sèche. Et vous faites ça 2 à 3 fois par semaine. Vous rincez et vous allez voir la peau. Incroyable après que vous avez. Et encore une fois, 100% garantie sur le visage des bébés de ma petite sœur. Du coup, ma sœur se lance sur des recettes d'après shampoing, zéro déchet. C'est un bail. Bon, j'espère que votre journée s'est bien passée. Pour ma part, c'était très tranquille, très très tranquille. Je suis juste allée faire le goûter chez mes grands-parents. Puis voilà, tranquillement, encore une fois. Je vais aller un petit peu me poser dans le lit parce que ce soir, je suis toujours avec Émilie. En fait, je pense vraiment, vraiment qu'on va songer soit au Pax, soit à mettre les deux noms sur le bail de son appartement. Mais il va y avoir quelque chose, parce que bon... Je pense qu'à ce niveau-là, ça serait bien d'officialiser. Non, bébé, qu'est-ce que t'en penses? Attends, parce que du coup, ils n'ont pas vu, t'as secoué et t'as dit quoi? Ta chaussure. Bah, vas-y. Il y a le retour. Moi, je connais. Ah, c'est gavé, c'est beau, les tennis. Attends, j'ai fait un côté quand même, hein. Ah, ça fait un côté. J'ai fait un côté. Ok.